coup dur pour les fans de Christophe Miossec qui devaient le retrouver sur scène en 2023. Le Télégramme a rapporté que le chanteur, malgré toute sa bonne volonté, reportait ses dates de concert prévues en 2023, dont celle du Festival du Chant de Marin, le dimanche 6 août. Une décision difficile qui a dû être prise suite à son état de santé. Ceux qui avaient déjà leur billet entre les mains devront donc patienter pour voir leur idole sur scène, dont les proches avaient été offusqués par une remarque de Johnny Hallyday. Heureusement, il ne s'agit pas réellement d'une annulation mais d'un report de date. Le chanteur ne prévoit donc pas de remonter sur les planches en 2023, mais devra attendre l'année 2024 afin de privilégier sa santé à sa carrière. Une décision noble, des plus importantes et compréhensibles. Cela arrive à plusieurs artistes ces derniers temps, notamment Céline Dion, qui ne cesse d'annuler ou de repousser ses concerts à cause de son combat contre la maladie. Christophe Miossec, merci pour la compréhension et la patience. Le chanteur, qui s'était confié sur Johnny Hallyday, devait faire partie des têtes d'affiche du Festival du Chant de Marin, aux côtés de Matmata. Cela ne tient donc malheureusement plus puisque cette date a également été annulée. Si est-il donc sur son compte Instagram que Christophe Miossec a décidé d'annoncer la nouvelle à ses fans, et a tenu à les remercier, ceci est une prise de parole pour vous dire que la mienne est actuellement en réparation, les cordes vocales devant être soignées. Du coup, Vart est actuellement en train de reporter chaque date de la tournée à partir de février 24, vous en serez rapidement informé. Merci pour la compréhension et la patience, merci beaucoup pour le très bel accueil réservé à Simplifié, l'album. Bon week-end, Christophe, a-t-il signé. Un message qui n'est pas sans rappeler celui de Stromae, qui avait quant à lui annoncé l'annulation de ses concerts au moins jusqu'au mois de mai, également pour des raisons de santé, « Je dois me résigner au fait que ma santé ne me permet malheureusement pas de continuer à venir à votre rencontre pour l'instant. » Je me dois d'écouter mes limites. Entouré de ma famille, je dois prendre le temps de me rétablir pour reprendre, quand je le pourrai, la suite des concerts. J'espère vous donner au plus vite des nouvelles plus positives, avait-il écrit. La santé avant tout. Step up.